Salut Loulou et bienvenue sur le vlog numéro 9. Aujourd'hui on se retrouve pour un mariage à la tour de Dior. Aujourd'hui je fais l'installation pour tout ce qui est guirlande LED. Donc il y en aura à l'intérieur et sûrement à l'extérieur, je vais voir avec les mariés. Et j'installerai aussi du coup de la décoration par LED dans toute la salle. Et puis bah, la petite régie comme d'habitude. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour l'installation de la guirlande. A toutes. Bon, et bien voilà, et Loulou, je viens de finir toute l'installation. J'ai mis aussi du coup une guirlande guinguette en plus dehors que je vais vous montrer. J'ai fait l'installation de la décoration en par LED et puis bah, l'éclairage de la piste de danse. C'était pas de tout repos, bon, surtout pour la guirlande à l'extérieur parce que c'est un peu galère, mais du coup, ça donne un truc assez énorme. Alors, vous êtes à contre-jour, hop. Et là on voit que derrière j'ai mis une structure de 4 mètres de haut et bah, de là jusqu'à là-bas il y a des guirlandes, donc ça permet de faire un petit éclairage pour l'extérieur, ce qui est pas trop mal. On a toujours la petite sonorisation pour le vin d'honneur juste là, et maintenant dans la salle. Ah, caméra, voilà, c'est mieux. Dans la salle du coup, installation bah, du coup de la guirlande, d'une guirlande guinguette. Donc là, tac, 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 c'est franchement pas mal. Il y a de la décoration en par LED. Donc comme toujours, hein, on protège les passages de porte, très important. Et on essaye de faire au maximum quelque chose de propre au niveau des câbles, pour éviter que les gens se prennent les pieds dedans et que ça fasse quelque chose de joli. Et ensuite, bah, la piste de danse, elle se trouve à ce niveau-là. Donc ce soir on va tester une nouvelle animation. Hop, c'est mieux comme ça. On va tester une nouvelle animation qui s'appelle Les Amours. Je ne l'ai jamais faite. Alors c'est la famille des témoins qui veulent le faire. Bon, je leur ai dit que ça va prendre beaucoup de temps, mais bon, c'est le choix des témoins, c'est pas. Voilà. Il va se faire en deux parties. La première partie, donc on va poser la question aux mariés, en isolant chacun d'un côté. Et puis après on va repasser pour la deuxième partie pour faire la révélation, on va dire. La confrontation comme j'aime bien dire. Il y aura aussi de la vidéoprojection. Donc ils ont ramené un écran qui est juste au-dessus de la régie. À la base il devait être sur pied, mais je leur ai dit que ça serait mieux qu'il soit un peu hauteur, sinon personne ne verra. Ils ont eu un souci avec leur vidéoprojecteur, donc du coup je leur ai ramené le mien. Il faut que je fasse l'essai avec leur PC. Voir ce que ça donne. Moi j'ai testé avec le mien, mais bon, ça. La résolution n'est pas forcément les mêmes. Et puis voilà, que dire d'autre, décorateur, il a fait un super boulot, je trouve. Avec pas mal de caisses, tout ça. C'est les jardins d'ombre, si je ne me trompe pas. Hein. Qui est venu hier pour installer avec moi. Donc voilà. Donc maintenant, bah, on va attendre tranquillement les invités, puis je vais me changer. Et on va passer bah, au vin d'honneur. Et puis après, bah, entrée des mariés, animation, ouverture de bal avec des jets de scène. Alors ils ont voulu en mettre 4, je vois pas où est-ce qu'on va pouvoir mettre les 4. Mais bon, on va, je pense que je vais faire un mélange, je pense. En gros, j'en mets 2 pour l'arrivée et 2 pour l'ouverture de bal. Donc voilà, et petite anecdote, bah, j'ai pas trouvé les cuisines. Alors je sais pas où est-ce qu'il se met le traiteur, je pense qu'il emmène tout directement... tout son matériel sur place, parce que je n'ai vu, je n'ai rien vu. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. Voilà, bon bah allez, à tout de suite. Ça aussi c'était du temps. Tes gamins t'appellent en criant, viens faire
Alors, c'est à toi. Blandine, qu'est-ce qui t'a plu en premier chez lui? Tout. Bon, eh bien, l'entrée des mariés s'est fait. J'ai oublié de la filmer, malheureusement. On a eu une petite surprise après. C'était une petite chanson improvisée. Enfin, improvisée non, mais réécrite. Et on vient de faire la première partie des amours. Donc, petite animation que je connaissais pas. Je vais voir à la fin ce que ça donne vraiment. Et puis voilà. Allez, on se retrouve tout de suite, bah, du coup, pour la prochaine animation qui est de la vidéoprojection. Et ensuite, deuxième partie des amours. Et après, soirée dansante. Je danse le mien. Je danse le mien. Ouais. Michael, c'est pas du mal avec le son, c'est pourquoi la danse sur la tête d'arrêt.